J'espère que vous allez bien. Nous, on est, c'est bon, installés à notre nouvel appartement. On est trop contents, vraiment, il y a de la place pour tous les trois. Maria Valentina tiene su habitación, elle a sa petite chambre. Et voilà, vous dire qu'on est installés à Dubaï. Je sais que beaucoup de gens le savaient déjà, mais beaucoup d'autres, pas du tout. Du coup, c'est vrai qu'on a voulu prendre aussi notre temps pour vous l'annoncer parce qu'au début, on voulait partir en Portugal, ensuite l'Espagne. Mais c'est vrai que à cause du Covid, la chose était super compliquée. Vraiment, on s'est dit pourquoi partir de la France si on va y aller dans un autre pays avec les mêmes conditions de vie. Et du coup, on a décidé de venir s'installer ici à Dubaï. Je suis venue une fois l'année dernière, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'étais enceinte, du coup j'ai pas pu vraiment profiter de cette ville. Et je suis contente. C'est bon, on commence une nouvelle vie, une nouvelle routine, tous les trois dans cet super joli appartement qui nous convient à la perfection. Je voulais aussi vous dire que je sais que je vais recevoir message en me disant mais pourquoi vous aussi c'est pas une ville pour vous, mais il faut pas non plus réfléchir comme ça, s'il vous plaît, faites un effort. Sachez que Dubaï c'est une ville extraordinaire, bon aussi de ce que vous voyez sur les réseaux, d'accord. Chacun vit à sa manière, il faut respecter tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent vivre d'une manière et d'autres d'une. Désolée les filles, j'ai dû arrêter ma fille, voilà, elle réclamait son biberon. Du coup, j'en profite pour finir mon petit discours. Je disais qu'il faut respecter tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent vivre d'une manière et des gens qui préfèrent vivre d'une autre manière. C'est tout à fait respectable. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre notre choix. Et bien évidemment, je serai toujours ravie de partager avec vous nos super moments, nos moments en famille. Aussi entre filles, avec ma fille. Et en tout cas, nous, de notre côté, on est super heureux d'être ici. Et voilà. Agassi, mi amor. Très heureux. Et on va prendre la parole sur ses réseaux sociaux. Du coup, les filles, j'ai plein de choses en tête. En tout cas, aujourd'hui, je vais commencer par faire les courses pour cuisiner ce soir. J'ai hâte aussi de vous montrer plein de nouvelles recettes maintenant que j'ai une qui est assez grande, il y a de l'espace et voilà. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier. Merci car on a tous reçu plein de messages vraiment, en nous souhaitant une super bonne installation, un super voyage. En tout cas, on est ravis d'être ici et bien évidemment d'être avec vous. Vraiment, merci à tous, merci du fond du cœur. De vous dire où on est installé, donc on est sur Dubaï très clairement. Et je suis très très content parce qu'on s'est installé dans un appartement très sympa, très familial, avec un quartier très familial, toujours dans nos bases à nous, hein, voilà. Voilà, on est arrivé ce matin, on a tout installé, on voulait vous le dire quand on serait arrivé parce que c'était une décision qui a été prise, ça a été mûrement réfléchi dans le sens où on devait aller au Portugal, très clairement. Le Portugal reste toujours une option dans notre vie, sachez-le. Voilà, vous avez le droit de savoir, mais c'est juste que la situation sanitaire au Portugal qui fait qu'il reconfine et l'Espagne aussi, c'est un peu compliqué. Ça a été donc forcément pas abouti, ces projets, mais ça reste des projets pour plus tard, c'est sûr et certain. Maintenant, on est ici, on compte bien faire notre petite vie. Voilà, on va pas changer notre vie. Je pense que chacun utilise sa vie à sa façon d'être et nous, voilà, on veut garder cet univers très familial et tous les trois. Ça peut surprendre certaines personnes qu'on soit ici, mais voilà, on est ici en tout cas pour 4 mois, c'est sûr. Après cet été, on ira en Espagne et au Portugal voyager et de là, on verra, on avisera. En tout cas, on est très content, je suis très content, je vois ma femme très souriante. C'est vrai que ça devenait un peu anxiogène en France. On avait un petit appartement, c'était compliqué de trouver autre chose. On avait besoin de se retrouver un petit peu, que ce soit ma femme et moi, et avec notre fille a sa chambre désormais. Ça, c'est vraiment un soulagement. Je suis très, très content que ma fille ait sa chambre. Voilà, on va continuer notre vie tranquillement. On espère que vous allez suivre nos aventures. Moi, personnellement, j'essaierai de vous montrer les,
des petits plans de Dubaï, voilà, pour les familles, parce que voilà, je me considère comme maintenant un mari, certes, mais surtout un père de famille, et je cherche qui a de mieux pour Maria Valentina. Donc aujourd'hui, voilà. Donc merci à tous les gens qui continuent de nous soutenir et qui vont continuer à le faire. Voilà, mes amours. Voilà. Donc voilà, on est super content d'être ici. Merci à tous ceux qui nous ont souhaité une bonne installation. Merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent et continueront de nous soutenir du fond du cœur. On est content d'être au soleil, on va pas mentir. On est content d'être dans cet appartement qui est spacieux et qui est génial, je pense, pour nous et surtout pour notre fille qui va avoir sa chambre, qui va avoir ses vêtements à leur emplacement. C'est vrai que c'était pas le cas en France et aujourd'hui ça va être le cas. Et en plus de ça, nos familles viendront bientôt nous voir si Dieu le veut. Donc il s'agit, je pense qu'on montrera l'appartement plus tard. Oui. Oui, ou maintenant, je sais pas, mais il s'agit surtout de faire des courses. Ouais, on va aller faire des courses. Ce soir, ma femme va cuisiner. Ça va permettre aussi à ma femme de vous remontrer des recettes. Ah oui, j'ai trop. Ah, c'est ce que j'ai dit sur Instagram. Voilà, donc la cuisine et le sport. Le sport. On a une salle de sport ici, on est trop trop contents. Donc voilà, la cuisine, le sport, la famille, notre fille. Et on est dans un quartier, comme je vous l'ai dit, très familial. Et on a hâte de pouvoir... Oh là, viens là mon amour. On a hâte de pouvoir vous montrer les bons plans. Peut-être pour ceux qui viennent en famille à Dubaï. Nous, on espère pouvoir vous montrer vraiment les meilleurs plans pour ça. Et donc voilà, vous proposer des choses peut-être un peu différentes. On espère, du fond du cœur. En tout cas, merci à tous. Vraiment, merci beaucoup de la part de ma femme, de moi et de notre fille d'amour qui a été sage, mais magnifique. Je suis fier de ma petite fille qui a été sage, mais comme une image, mais vous savez pas. C'est vrai que j'ai toujours aimé ma fille depuis qu'elle est venue au monde, mais j'ai l'impression qu'elle et moi, on se comprend, on se parle à travers les yeux. C'est vraiment un sentiment unique et je vais pouvoir continuer à m'en occuper H24. Voilà, on veut pas forcément qui que ce soit s'occupe de notre fille. Après, chacun mène sa vie comme il le veut, mais c'est vrai que Rim et moi, on veut pas la confier à qui que ce soit. On veut s'occuper de notre fille. Voilà, on n'en va pas en boîte de nuit, on va pas dans des soirées avec de la musique forte, on va pas dans tout ça. Donc peut-être qu'on le fera avec le temps, mais en tout cas, on veut s'occuper de notre fille H24. On est heureux quand on est trois, donc voilà, je suis fier d'elle.